nous avons tout d'abord un La mineur. D'accord. Deuxième case, index en première case de la corde de Si. Ensuite, nous avons un accord un peu complexe, un Mi7. Donc là, la technique, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas enlever toute la position pour passer au Mi7, on va seulement lever le majeur et on va faire glisser ici l'annulaire et l'index, notre troisième et notre premier doigt. On va les faire glisser tous les deux d'un ton, c'est-à-dire deux cases plus loin. Donc l'index, il va se retrouver en troisième case de la même corde, la corde de Si, et notre annulaire, il va se retrouver en quatrième case. D'accord ? Pourquoi je fais ça ? Parce qu'ensuite vient le Mi7 basse sol dièse et on va devoir placer le majeur juste au-dessus. D'accord ? La mineur, Mi7, Mi7, base sol dièse. N'hésitez pas à mettre la pause. On tente de passer. D'accord ? Ça nous fait trois accords. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien là, on vient poser notre annulaire et notre auriculaire, le petit doigt, ici en cinquième case, des deux cordes du milieu, pour obtenir notre sol suspendu 4. Et nous venons faire un petit barré sur la case numéro 3, des deux dernières cordes, pour obtenir notre accord. Ok ? 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vient faire glisser cette position-là en troisième case pour obtenir notre Fa suspendu 4. D'accord ? Ça, c'est pour le petit mouvement rapide. Et là, on vient glisser 1 et on passe en Fa. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter le majeur en deuxième case et on enlève l'annulaire, on enlève l'auriculaire, pardon, le petit doigt de la troisième case. Hop, tac, tac, ok, tac, tac. Ça nous fait La mineur, Mi7, Mi7 base, Sol dièse, Sol suspendu 4, Fa suspendu 4, Fa. D'accord ? Et toujours le petit barré, ici, c'est ça qui est difficile à faire, c'est obtenir ce petit barré avec l'index. Donc là, je vous conseille de positionner le pouce dans l'axe du manche, hein, pour avoir plus de force. Vous pouvez y arriver comme ça, mais il va falloir l'entraînement. Hein, mais à vous de voir, je vous donne les deux façons de procéder. Ensuite, une fois qu'on a ce Fa, on va venir remonter la position pour avoir un Do Ad 11. D'accord ? Donc on vient ici, hop, avec notre annulaire et notre auriculaire en troisième case, de la corde de La et de Ré. Ensuite, il reste un accord, c'est le Do, donc on enlève le petit doigt et on vient poser le majeur en deuxième case. Et ensuite, on vient décaler notre Do en Si. Pour le couplet, nous avons les mêmes accords, sauf que nous allons enrichir le Mi7, ici, d'une note, donc on vient faire La. On glisse toujours notre petit doigt en quatrième case, le majeur ici. Et on va venir mettre notre index en deuxième case de la corde de La. Ensuite, nous avons les mêmes accords. J'ai suspendu 4. Nous passons sur un Sol. Comme nous faisons en fait Fa sus 4, Fa, là c'est le même schéma. D'accord ? J'ai sus 4, donc Sol sus 4, et Sol. D'accord ? Hop ! Hop ou tac, on s'en fiche. Ensuite, une fois qu'on est là, c'est la même chose. Do Ad 11, Do, et notre petite descente. Le plus important, j'allais oublier, nous avons une petite harmonie ici en case 12, c'est-à-dire que vous allez pas venir jouer sur la case 12, mais vous allez frôler la corde avec votre doigt, donc ça sera à travailler sur en case numéro 12, sur la frette interne, d'accord ? Celle-ci, après les deux points. Ah ouais, vous avez votre repère, 12e case, vous venez fretter sur la frette sur celle-ci. Hein. Pas celle qui est de ce côté, mais la frette interne. Vous posez votre doigt sur la corde, juste au-dessus de la frette, et vous venez obtenir votre harmonie naturelle. Et ça, ça annonce le début de la chanson. On le fait ensemble, doucement. 1, 2, 3, 4... Thank you.
attaque le refrain maintenant. On a 6 accords. Le premier accord, c'est un sol ad 9. Nous allons venir positionner ici notre annulaire en cinquième case de la corde de Ré. Et ensuite, on fait comme une position de Do ou une position de Fa. Do, c'est plus proche. Le majeur en quatrième case, l'index en troisième case. Et on vient rajouter le petit doigt ici sur la cinquième case. Après cet accord, il y a un passage rapide sur le sol. On enlève le petit doigt et on fait un mini barré avec l'index. D'accord ? La descente en Ré mineur. On remonte en La mineur. En Do. Enfin en Fa ad 9, c'est la même position que le Sol. Et on remonte sur le Sol ad 9. Et pareil, à la fin, on va jouer un petit peu sur le Sol ad 9 et le Sol. Faites attention au passage du Do au Fa. Il faut être précis. Le but, c'est quand même de positionner la position d'un coup, d'une traite. Et si vous n'y arrivez pas, ne vous arrêtez pas. Parce qu'il faut toujours continuer, même lorsqu'on fait une erreur. Mieux vaut une fausse note qu'un arrêt complet dans la chanson. Privilégiez alors la position des basses. Vous rajouterez les aigus après. Si vous n'arrivez pas à poser les 4 doigts en même temps, posez au moins les 3 en premier. Voilà. En ce qui concerne la rythmique, eh ben c'est simple. Vous allez faire comme il vous chante. Mais si vous voulez faire l'original, eh ben c'est simplement des doubles croches. Si on veut être un peu tatillon, on peut faire comme il fait au début, c'est-à-dire... Et là, après, on le croche, tu vois. Tout ça, je vous l'ai noté. À vous de le suivre ou pas. Ça dépendra de votre façon de l'interpréter, et ça dépendra surtout de votre façon de la chanter, de votre capacité à pouvoir chanter les lignes, la mélodie vocale en même temps que le jeu. Voilà, adapter cela pour que ça rende le mieux possible. Voilà. Encore une fois, moi ici, vous avez la tablature originale, mais ça n'a pas pour vocation de faire un copier-coller. Hein. Surtout, vous allez la chanter, donc interprétez-la. En plus, vous allez peut-être la faire plus doucement, plus rapide. Vous allez la chanter de différentes manières, donc faites comme bon vous semble. Ça, c'est votre soutien. La chanson telle qu'elle. Vous pouvez broder autour ou faire exactement la même chose. Ça n'a strictement aucune importance. La musique, c'est surtout la possibilité d'interpréter des choses. Ensuite, c'est à peu près la même chose, vous avez couplet, refrain, il y a un petit pont, mais le pont c'est les mêmes accords, ça va être... On va rester un petit peu sur le Ré mineur et le La mineur, voilà, sur quelques tournures, et après on va remonter sur le Do, sur le Fa 9, pour faire un battement standard du refrain. Nous allons la jouer ensemble, je vais vous mettre la tablature en dessous, mais avant j'ai juste une petite indication à vous faire, parce que tous les tutos que je vois, il y a pas mal de tutos où on vous propose seulement l'introduction et après vous êtes en galère. Sachez qu'il y a des petits changements dans la chanson qui sont bien à faire, ça peut vous démarquer et surtout c'est agréable à jouer. J'ai tenu à les mettre dans la tablature, je tiens à vous les apprendre. C'est à partir du deuxième couplet, c'est des détails mais c'est les détails qui font tout en musique. 1 2, 3, 4. Thank you.
Si, j'étais en train de faire mon truc, et parce que je joue, je me mets la chanson dans les oreilles pour jouer avec vous, et des fois je me mets le tempo, des fois la chanson là, j'ai mis la chanson, et YouTube me met des pubs de merde. Pardon, ça m'a perturbé. Bah, et bossez bien, je vous laisse avec les liens, avec mes liens juste après pour me suivre. N'hésitez pas à regarder mes autres tutos, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager. Mais je vous redis tout ça dans les liens. Bossez bien, salut, ce fut un réel plaisir. Mon café est froid maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle vous a plu. Posez-moi toutes les questions que vous désirez dans l'espace commentaire. En dessous, la communication, c'est la clé en musique. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Je ferai d'autres vidéos et vous pourrez piocher selon vos désirs. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, vous abonner à mon profil, mon compte Instagram et mon compte Twitter. Sur les réseaux sociaux, je partage plein de choses, je donne plein de news et d'infos aussi sur les futures vidéos et articles à venir. Bossez bien, mais n'oubliez pas, en musique, l'imagination est plus importante que le savoir. Soyez fort, ciao !